Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG est passé de 36 000 à 60 000 francs CFA en 2013 en Côte d'Ivoire, soit une augmentation de près de 100%. Le code du travail, vieux de 20 ans, a été vu et revu. Autant d'efforts du gouvernement en matière d'emploi, salués par les structures sous tutelle du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le nouveau code de travail qui survient 20 ans après l'ancien code, le relèvement du SMIC qui passe du simple au double, la revalorisation des salaires catégoriels dans tous les secteurs socio-professionnels, autant d'avancées, d'acquis qui feront date dans le monde du travail de notre pays. Les actions en faveur du bien-être des travailleurs se poursuivront. Application du nouveau barème des salaires, lutte contre le chômage des couches vulnérables seront au menu en 2016. Promotion de l'emploi et de l'insertion des couches vulnérables, notamment les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées de plus de 35 ans. Le nouveau barème des salaires qui fait suite à la revalorisation du SMIG est en vigueur et va contribuer, comme le souhaite le président de la République, à améliorer les conditions de vie des travailleurs. La rencontre entre le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et ses collaborateurs a été aussi l'occasion de décorer les responsables syndicaux dans l'ordre du mérite ivoirien.